Bonjour. La croissance de l'économie française en 2016 sera inférieure à 1,5%, qui est l'objectif du gouvernement. Pour avoir, compte tenu de ce qu'on a observé en 2015, 1,5% de croissance sur l'ensemble de l'année 2016, il faudrait 0,45% de hausse chaque trimestre tout au long de l'année 2016. Et les premiers éléments dont on dispose pour les mois de janvier et février suggèrent que la croissance au premier trimestre sera inférieur à ce 0,45. On le voit d'ailleurs sur ce graphique où j'ai repris deux enquêtes qui sont menées sur l'économie française. La première par l'INSEE et la seconde par la société Markit. Et on voit bien sur ce graphique que ces deux indicateurs ont tendance à ralentir, à plonger sur la partie extrême du graphique. Alors, sur l'INSEE, c'est l'indicateur que je prends en variation sur 3 mois. Sur l'indice Markit, c'est un indicateur qui a une logique simple. Au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Et on voit bien que là, il y a une inflexion. Ça veut dire que l'activité économique pour l'ensemble de la France, c'est pas simplement le secteur industriel. Ça prend en compte les services, ça prend en compte la distribution, le bâtiment, si on prend l'enquête de l'INSEE. L'ensemble des secteurs a eu tendance à ralentir en ce début d'année. Ça veut dire qu'on ne fera probablement pas 0,45% de croissance, on sera probablement plus aux alentours de 0,1%, 0,2%. Et donc, pour avoir 1,5%, il faudrait qu'à un moment donné dans le courant de l'année, on ait une accélération très brutale de l'activité. Et là, on s'interroge sur la source de cette accélération de la croissance. D'autant que quand on regarde nos voisins allemands, italiens, eh bien on s'aperçoit qu'eux aussi sont dans une configuration de ralentissement de leur croissance. On le voit sur ce deuxième graphique où vous avez l'enquête de l'INSEE et l'IFO allemand. Tous les deux s'arrêtent au mois de février et on voit bien sur la partie haute du graphique qui représente l'indice IFO allemand, on voit bien une cassure, une rupture. Les Allemands, les industriels allemands sont très inquiets sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Ils n'arrivent pas à se projeter sur quelque chose de très positif pour les mois qui viennent. Donc on a cette configuration. Donc si on a une dynamique européenne qui est fragile, je parlais de l'Allemagne, je parlais aussi de l'Italie, si ces deux pays-là voient leur activité se stabiliser, voire ralentir légèrement, on a du mal à imaginer que l'économie française puisse caracoler et finalement être en rupture avec cela. D'autant plus qu'on l'a vu aussi dans les chiffres qui viennent d'être publiés, le moral des ménages ne s'améliore pas. En d'autres termes, on a toujours cette même problématique qui est posée à l'échelle européenne, à l'échelle française, de quel serait le facteur qui provoquerait une rupture à la hausse de l'activité. Et là-dessus, on avait tous imaginé que l'environnement européen le permettrait sous l'impulsion de la BCE. On voit que c'est probablement un peu moins vrai, même si la BCE continue et va continuer de le faire, à essayer de synchroniser le cycle économique européen. Mais on voit bien que c'est un peu compliqué parce que l'environnement global est aussi, lui, beaucoup plus compliqué. On imaginait que le pétrole, la baisse du prix du pétrole pourrait jouer très favorablement, mais on s'aperçoit que ça ne joue pas le rôle qui était attendu. On peut, sur ce point, faire une comparaison entre ce qui avait été observé au milieu des années 80, lors du contre-choc pétrolier, et ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai regardé l'évolution de la consommation en France à ces deux périodes. J'ai pris comme élément de référence les deux trimestres consécutifs où le prix du pétrole a baissé de plus de 25%. C'est le premier et deuxième trimestre 1986 et c'est le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015 pour la période actuelle. Et j'ai regardé l'évolution de la consommation sur cette période-là en prenant comme référence le trimestre précédent sur la consommation. Et on voit bien quand on regarde ce graphique qu'on n'est pas du tout sur des logiques similaires. En 1986, au bout de 6 trimestres, la croissance avait progressé de 4,2%. Aujourd'hui, elle n'a progressé que de 1,1%. En d'autres termes,
La baisse du prix du pétrole n'a pas eu cet effet d'accélération des dépenses des ménages, cet effet de pouvoir d'achat absolument spectaculaire qu'on aurait pu imaginer. Et donc, voilà, on est dans cette problématique. Quel sera le facteur d'impulsion sur l'économie française, sur l'économie européenne? Parce que ce qu'on dit là pour la France, on peut le dire sur d'autres pays. Et là, il y a toujours cette situation compliquée. Donc, en d'autres termes, on ne fera pas 1,5% de croissance cette année sur l'économie française. Et la question est de savoir comment on va alimenter cette machine. Et c'est pour ça que probablement le rôle des finances publiques, le rôle de la politique budgétaire, à côté de la politique monétaire, va rester et va devenir encore plus important pour essayer de changer, de modifier la trajectoire de l'économie française, de l'économie européenne, parce que clairement, dans cet environnement, la question est européenne, elle n'est pas spécifiquement française. Je vous remercie.